Salut à tous, c'est Bambou. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce pour gagner de l'argent et ne pas dépenser d'argent dans les munitions. Donc c'est une petite astuce sympa, c'est une mission que voilà, vous avez juste besoin d'un busard. Vous allez juste vous servir d'un busard et vous n'allez pas perdre d'argent en fait. Tout l'argent que vous allez gagner, ça sera bénéfique pour vous. Parce qu'en retour, vous ne dépensez pas d'argent pour les munitions. Voilà, donc on va se retrouver sur les lieux. Donc les gars, faut venir ici pour éviter de perdre la route. Vous venez directement ici, je vais vous faire voir sur la carte. Vous venez ici. Et une fois que vous êtes ici, vous faites start en ligne. Activité, jouer activité, créé par Rockstar. Vous allez dans mission. Et vous cherchez la mission. Voilà, protection. Vous prenez la mission protection. Bon, bah, je vais la faire vite parce que pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais vous, pour gagner plus, prenez votre temps pour aller au lieu du rendez-vous. Donc voilà, j'héberge. Vous la mettez en difficile, vous pouvez la faire à deux si vous voulez, moi je la fais tout seul. Voilà, vous voyez là, vous pouvez acheter des munitions, ça sert à rien, vous en avez pas besoin. Donc là vous mettez en difficile, vous faites jouer. Donc voilà, vous avez deux busards en cas où vous êtes deux, vous prenez un busard. Ma tenue elle a changé, attendez. Voilà. Donc vous prenez un busard et le but c'est d'aller à l'aéroport. Voilà, faut qu'on aille rejoindre le contact. Alors moi je vais y aller vite, je vais pas perdre de temps pour la vidéo. Mais vous, si vous voulez faire un petit tour avant, vous baladez, vous gagnerez un peu plus d'argent. Donc c'est une astuce pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas pour les riches, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça, vous savez que les missions ça gagne pas forcément bien, celle-ci je pense qu'elle va gagner entre 10 000 et 15 000 je pense. En allant vite hein, je parle hein, bien sûr en la faisant normal. Et après vous, si vous prenez un peu plus de temps, je pense que vous pouvez en faire 17 000, 20 000. Après c'est quand même une bonne somme à prendre vu qu'on n'utilise pas l'argent, enfin on dépense pas d'argent dans les munitions après. S'il y a des munitions qui gagnent bien, mais vous dépensez pas mal d'argent dans les munitions. Ou dans les gilets pare-balles, ou les encas, ou voilà. Que là, bah on dépense rien. Tout ce qu'on gagne, c'est dans notre poche. Franchement cette mission là elle est pas dure, vraiment pas dure. Vous pouvez la faire tout seul en difficile, ça pose pas de problème, c'est vraiment pas dur. Si vous arrivez à gérer votre busard, c'est nickel, vous arrivera à rien quoi. Vous n'allez pas vous faire tuer ou... Après faut jouer intelligemment. C'est à dire que bah, les hélicos ennemis qui vont arriver, parce qu'il y a des hélicos qui vont arriver, les hélicos ennemis, le but c'est de les prendre par derrière. Donc là les gars, je vais plus parler, je vais me concentrer sur la mission pour éviter de faire des conneries et on se retrouve après.
Et voilà, la mission est terminée, on n'a plus qu'à attendre que le contact se pose, et c'est terminé. Donc on va voir combien on gagne, je pense pas que je vais gagner beaucoup, 12 000 je pense. Si j'étais vite quand même. Ouais, 13 320, c'est pas mal. C'est 13 320 dollars dans ma poche. Je dépense pas d'argent derrière pour acheter les munitions. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne solution pour se faire de l'argent sans dépenser en attendant le DLC quoi. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites le moi dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.